Bien, bonjour et merci de m'avoir accepté en deuxième semaine, puisque j'étais venu la semaine dernière. Je suis heureux de revenir ici sous le soleil. Quand je suis rentré dans la salle ce matin, j'avais une petite idée de ce que j'allais raconter, mais vraiment une petite idée, m'étant dit. Bon, il y a deux exposés avant que je parle, donc je vais essayer d'ajuster un petit peu avec ce qui a été dit. Maintenant, je ne sais plus du tout ce que je vais raconter, mais ça ne m'empêchera pas d'en parler, mais je vais quand même raconter quelques petites histoires, en disant quand même deux choses au début. La première, c'est qu'à entendre ce qui s'est dit ce matin, et pardonnez-moi, je ne parle pas en tant que psychologue clinicien, mais en tant que retraité. Je trouve que la position de retraité, c'est bien, parce qu'on prend un peu de recul. Et on n'est pas forcément toujours confronté à ce que j'ai cru entendre, notamment dans le propos du docteur ou dans ce que vous disiez, madame, à parfois l'urgence ou la violence de quelque chose qu'on essaie de traiter sous forme, est-ce qu'il y a une demande, une attente? Moi, j'ai un peu de temps. Et moi, je me demande si, et ça serait une première hypothèse que je vous proposerais, actuellement, une grande violence faite à la société en général, mais aux enfants en particulier, c'est qu'on leur demande de vieillir en oubliant de leur demander de grandir. Et qu'il y a une énorme confusion entre ces deux termes qu'il faudrait peut-être éclairer un petit peu. La deuxième chose, et là j'emprunte cette petite idée au sociologue Pierre Bourdieu, c'est qu'il n'y a pas de violence sans situation sociale. C'est-à-dire que la violence, c'est quelque chose qui renvoie peut-être à, je ne sais pas d'ailleurs quoi, mais quelque chose qui s'exprime dans un rapport social, dans un rapport contextualisé, dans un rapport historique, dans un rapport culturel. Ce qui m'amènerait à poser une autre question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûr que la violence existe en dehors de ces manifestations qui peuvent être extrêmement diverses et variées. Et j'ai lu quand même quelques textes qui m'amènent à penser que c'est peut-être un peu réducteur de vouloir résumer toutes les expressions de violence à une seule source, comme s'il y avait au fond une violence fondamentale. Mais peut-être on pourra en reparler. Par rapport à la remarque que vous faisiez, madame, j'avais envie, pardonnez-moi, c'est une question un peu paradoxale, mais de me poser la question de la violence d'Antigone par rapport à Créon. Parce qu'effectivement, on met toujours l'accent sur la loi du cœur, avec Antigone qui essaie de, au fond, respecter la dignité de son frère, et qui s'opposant ça à la loi de la cité, mais Antigone fait violence à la loi de la cité. Et Antigone questionne la loi de la cité. Et Créon a bien du mal à répondre. Alors, je vais essayer rapidement de poser quelques questions. Pardonnez-moi parce que j'ai plus de facilité à poser des questions qu'à avoir des réponses. Mais pour ceux qui seraient pressés, j'ai entre guillemets trois petites phrases qui résumeraient mon propos. Et il n'y en a aucune de moi. La première, j'emprunte à Bertolt Brecht, que vous connaissez, un dramaturge allemand, mais ce n'est pas dans son théâtre, c'est dans ses poèmes. Et Bertolt Brecht, vous le savez, donc RDA, avant qu'il en parte, a écrit un poème où il dit la chose suivante. Il dit, on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. On dit que le vent qui courbe les bouleaux est violent. Mais qu'en est-il de la tempête qui courbe les hommes qui travaillent dans la rue? Oui, moi, cette première phrase me semble extrêmement intéressante parce qu'elle a l'avantage de nous situer dans un contexte social, dans un contexte historique, à l'intérieur duquel les choses prennent du sens. Si je devais développer un tout petit peu ça, je dirais aussi que, et sans pour ça être très précis, mais que ma carrière professionnelle, universitaire ou autre, m'a amené à enseigner sur les cinq continents. Et j'ai quand même vu une constante universelle que j'appellerais pour moi plus la souffrance que la violence, même si je pourrais dire que partout j'ai vu des manifestations de violence. Et que j'en ai retenu une chose quand je fais du tourisme. Et que je fais du tourisme où je veux apprendre un petit peu quelque chose, il y a toujours deux endroits où je pense qu'on peut comprendre une société, ce sont ses hôpitaux et ses prisons. C'est dans ces lieux-là, effectivement, qu'on voit comment les choses sont posées, parfois cachées, parfois masquées. Mais j'ai une deuxième petite phrase, toujours pas de moi, elle est de Blandine Krieghel,
qui dit que la violence est une force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique dans un but de domination ou de destruction de l'humanité de l'individu. Et je crois qu'une deuxième manière de répondre, et peut-être en repensant à des violences institutionnelles ou autres, c'est de se poser la question très concrètement, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Et qu'en est-il de la dignité d'un être humain ? Et peut-être qu'effectivement, je pense qu'une des plus grandes formes de violence, et ça a été évoqué par vous, madame, ce matin, quand vous parliez des Tutsis, des Hutus, de la Serbie, que vous parliez des viols, c'est qu'à un moment donné, peut-être, le rapport humain est un rapport qui peut être aussi destructeur que constructeur si on ne fait pas attention à ce que dans ce rapport, quelque chose soit toujours présent, c'est en quoi ce que je fais permet à l'autre de retrouver sa dignité. Et que je fais en tant que thérapeute, que je fais en tant que sociologue, en tant que citoyen. Je crois que cette question a été souvent abordée sous l'angle qui nous importe, et quelqu'un évoquait ce matin aussi ce qui s'est passé à Manchester cette nuit, la question de savoir, mais comment comprendre le sens si jamais il y en a un ? Et il me semble qu'une des formes de violence maxime de notre société actuelle, c'est d'éluder la question du sens pour se précipiter immédiatement dans la question de la signification. Il y a un espace de travail qui, à mon avis, la télévision en est, à mon avis, en grande partie responsable, non pas que c'est un mauvais média, mais parce que quand vous regardez vos actualités télévisées, vous voyez qu'on peut passer d'un type de violence à un autre et à Miss Monde, il y a ce que vous voulez, avec un commentaire, je trouve, assez fabuleux comme violence, et sans transition. Là, il y a quelque chose, effectivement, qui doit nous interroger tous, parce que c'est peut-être dans les transitions que quelque chose pourrait se passer. Et puis, peut-être, je vais vous choquer un peu, mais j'en ai un peu l'habitude en tant qu'enseignant. C'est de dire quand même que bien souvent, dans la violence, le bourreau et la victime se confondent et se distinguent. Et là, il y a quelque chose, il me semble, qui renvoie peut-être à ce que pourrait nous apprendre la psychanalyse ou ce que nous apprend la psychiatrie, mais que les choses sont peut-être un petit peu plus complexes qu'on le pense. Alors, si vous en êtes d'accord, ce que je vous propose, mais c'est un petit parcours un peu bref et rapide, c'est de poser quelques questions autour de, entre guillemets, ce qui peut se jouer dans ces espaces-là, pour voir de quelle manière on peut, entre guillemets, essayer de comprendre ce qu'il en est de ce que nous appelons violence, que je ne définirai pas, sauf d'une manière un peu paradoxale, vous allez le voir, mais de repérer des instants sociaux où quelque chose se passe. Ce qui m'a donné l'idée d'une réflexion de ce genre-là, c'est une réflexion sur quelque chose qui n'a a priori rien à voir. C'est un travail que j'ai fait il y a quelques années avec des étudiants sur le thème du temps. Et j'ai découvert un auteur que je ne connaissais absolument pas, je m'en excuse auprès des philosophes, c'est Saint-Augustin. Et j'ai trouvé chez Saint-Augustin une phrase que je trouve absolument remarquable à propos du temps. Et il dit « Le temps, si personne ne me demande ce que c'est, je sais très bien ce que c'est. Mais dès qu'on me pose la question, je ne sais plus du tout et je ne peux pas répondre. » Bien, j'ai envie de proposer comme définition de la violence que, au fond, la violence, personne d'entre nous ne sait très bien ce que c'est, mais que chaque fois que quelqu'un d'entre nous en est victime, il le sait immédiatement. Il y a quelque chose qui, vous voyez, qui est un peu paradoxal. On a du mal à le saisir d'une certaine manière intellectuellement, même si on peut écrire des tas de trucs là-dessus. Mais il n'empêche que de la moindre cour de récréation à la maison de retraite ou à un lieu de travail, on sait immédiatement quand on est victime d'une violence. Ce qui m'amène d'emblée à poser une première question qui est peut-être un peu bancale. Bon, je prends mon papier pour faire voir que j'ai pris des notes quand même. Mais la violence réside-t-elle dans une intention ? Et je reprendrai le travail que vous avez fait, madame, ce matin, que j'ai trouvé absolument remarquable. Y a-t-il une intention de violence ? La violence réside-t-elle non pas dans une violence dans l'intention, mais dans la perception ? Je peux très bien être violent sans le vouloir et l'autre le ressentir comme une extrême violence. Faut-il une rencontre entre violence perçue et violence voulue ? Je pense qu'il peut y avoir l'une sans l'autre, mais se pose en tout cas la question de l'angle sous lequel on va le regarder. Par rapport à la remarque que vous faisiez, madame, et avec tous ces nouveaux appareils qui envahissent les cours de récréation ou tout ce que vous voulez,
on s'aperçoit effectivement qu'on met à disposition un certain nombre d'outils qui permettent d'exposer, d'exprimer un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr que la violence soit toujours voulue par ceux-mêmes qui sont, entre guillemets, pensés comme violents. Je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours perçue comme violence par celle à qui elle s'adresse. Et il est sans doute bien difficile, entre guillemets, de démêler les deux. C'est pour ça que, si vous me le permettez, j'aborderai toujours la question sous les deux angles, même en disant qu'une question qui me semble extrêmement importante dans le cadre de la violence et au niveau social, c'est la question de la réparation et de la victime. Parce que je crois qu'aussi, parfois, on peut avoir tendance à maximiser les victimes, mais parfois aussi à les ignorer. Une première question qui doit tous nous interroger sur ce que je pourrais appeler une généalogie des violences, c'est de se poser la question pour chacun d'entre nous dans le domaine du quotidien, mais où commence la violence ? À partir de quel moment, je crois que c'est vous, docteur, qui évoquiez l'idée d'un curseur, où peut-on mettre un curseur pour dire, là, il y a violence ? Est-ce que ça commence avec les incivilités dans les cours de récréation d'école ? Et à partir de quel moment faut-il, et je connais quand même quelques enseignants qui se posent régulièrement la question, agir ou réagir ? Que faut-il tolérer parce que c'est, entre guillemets, dans l'air du temps ? À partir de quel moment faut-il, à une violence ou à quelque chose qui pourrait se manifester comme une violence, répondre par quelque chose qui peut, d'un autre côté, être perçu comme une violence. Je crois que la question du curseur est une question extrêmement importante et que peut-être, selon les temps, selon les lieux, selon les milieux, le curseur se déplace. Une de nos grandes difficultés sociales, c'est que nous ne vivons pas forcément tous dans le même temps et nous n'avons pas forcément tous les mêmes curseurs. Je vais prendre un exemple que je prends peut-être un petit peu choquant, mais il m'est arrivé d'aller, comme d'autres personnes dans cette salle, en Nouvelle-Calédonie. Et je me suis trouvé un jour à un repas de mariage en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, dans la tradition, il n'y a pas d'alcool. Bon, on boit de l'alcool, mais en dehors de ce qui se passe chez les vieux, comme on dit là-bas. Vieux voulant dire d'ailleurs respectable et non pas, c'est pas péjoratif. Et au dessert, je vois un certain nombre d'enfants qui arrivent, qui se précipitent vers les tables, parce qu'il y avait des gâteaux plus fluorescents que les Anglais peuvent aller en faire. C'est vraiment, ça attire tout. Bon. Et ces enfants sont chassés, pas violemment, mais quand même assez vertement pour les renvoyer là-bas, parce qu'on est entre vieux et on va manger nos gâteaux. Et je me retourne vers mon voisin, qui était un Kanak, qui était un pasteur et qui faisait une thèse de linguistique à la Sorbonne. Vous voyez, il y avait plusieurs étiquettes possibles. Et je lui dis quand même, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu dur avec vos enfants ? Bon. Alors il me dit, ouais, c'est vrai, peut-être bien, ouais. Ouais. Mais quand ils auront notre âge, eh bien, ils seront à notre place, chacun son tour. Ça fait quand même partie des rites sociaux. Bon. Puis il me dit quand même, et vous, avec vos vieux, vous faites comment ? Parce qu'il faut savoir que dans une île à côté, qui s'appelle Lifou, il y avait eu quand même tout un mouvement contre une maison de retraite. Parce que ça semblait quand même extrêmement scandaleux qu'on puisse, entre guillemets, mettre ces vieux dans une maison de retraite, même si je peux vous assurer que le soir sous les cases, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Hein, ce n'est pas un monde idyllique. Mais il y avait quelques... Et je me suis dit, ce jour-là, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que je prenne en compte, moi, dans ma réflexion, c'est que j'ai des manières de voir et des manières de penser qui me font percevoir des choses comme violentes, alors que d'autres ne nient pas leur violence, mais la pensent acceptable parce qu'elle a du sens, alors que dans d'autres cas, c'est moi qui me trouve confronté à l'inverse. Et j'ai vu la même chose en Afrique, j'ai vu la même chose en Asie, sous d'autres formes. Ce qui m'amène à une première réflexion, c'est quand même l'idée de l'immédiateté des conduites et de la manière de les penser selon des schémas qui ne prennent pas en compte un certain nombre de données. Et c'est ces données-là qui, moi, me semblent importantes, je dirais, de balayer. Je me demande d'abord, c'est une première piste, quel est le rôle du contexte ? Et pour voir que un même contexte peut provoquer de la violence ou non, suivant le milieu dans lequel on est.
regardez une loi simple de l'éthologie, le nombre de comportements d'agression, je ne parle pas de violence, hein, mais de comportements d'agression, augmente tout simplement quand la densité d'individus augmente par unité de surface. Et faisant l'expérience où vous voulez, vous verrez que plus il y a d'individus sur une surface réduite, plus il y a de manifestations d'agression. De passer de la notion d'agression à la notion de violence, ça c'est un changement épistémologique et qui n'est pas si simple. Mais l'un ne va peut-être pas sans l'autre. Deuxième chose qui tient au contexte, c'est la possibilité qu'a un contexte ou non de légitimer une violence. C'est-à-dire, au fond, de penser que certes il y a violence, mais que l'acte de violence est un acte qui est légitime. Et parfois même, j'ai entendu, il me semble que j'étais de temps en temps éducateur, j'ai été psychologue, avoir entendu des magistrats, avoir entendu des éducateurs, des parents, peut-être moi aussi, dire un jour, en commentant un acte que je pourrais appeler violent, mais c'est pour ton bien. C'est-à-dire qu'au fond, ce que j'essaie de faire, et même si parfois à moi, comme on dit, ça peut me faire une violence, je peux le légitimer au nom du bien de l'autre. Or, reconnaissez, ça me paraît assez simple à comprendre, que le bien d'un autre, c'est quand même une notion un peu vague et un peu subjective que chacun d'entre nous peut apprécier à travers sa propre éducation, à travers ses propres normes. Et comme me le disait un jour un de mes étudiants en psychologie, c'est quand même curieux qu'il y ait autant de problèmes psychologiques au XXIe siècle, alors que dès qu'on se promène dans une librairie, vous avez tous les conseils possibles pour éduquer les enfants. Hein, plus on écrit sur l'art d'éduquer les enfants, moins on sait quoi s'y prendre. Alors, est-ce qu'il ne faut pas admettre, comme vous le disiez, docteur, à un moment donné, peut-être, et c'est, je crois, ce que disait Winnicott, qui est quand même penché sur la question des enfants, que l'adolescence est une pathologie normale. Et qu'il va falloir peut-être, à un moment donné, travailler dans ce champ éminemment tiraillé qui peut, d'un côté, aller très près de la psychiatrie, pathologie, mais normal, bah oui, tout le monde y passe. Et tout le monde y passe avec le fait que on ne sait pas ce que ça va devenir. Et je crois que quelque chose qui est peut-être, entre guillemets, aussi une des violences faites aux jeunes actuellement, alors pardonnez-moi, ce que je veux dire, c'est un peu violent peut-être, mais on se soucie tellement d'eux que parfois je me demande si ce souci qu'on a d'eux et pour eux n'est pas une violence qu'on fait à leur propre endroit, en ayant effectivement du mal aussi à accepter un certain nombre de choses. Je prends un exemple très concret que j'ai eu l'occasion de voir avec un de mes collègues éducateurs à Lyon, où, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent cette ville, mais on peut descendre de Fourvière en mobylette, et un certain nombre de jeunes descendaient de Fourvière en mobylette, avec une consigne simple pour faire partie du jeu, et bien il faut arriver jusqu'en bas, il ne faut surtout pas freiner, pas s'arrêter au feu rouge. Eh bien, il y en a qui ne sont jamais arrivés. Et vous avez là, à mon avis, un exemple, je ne sais pas où situerait la violence là-dedans, mais qui me semble ressembler terme à terme à ce qu'on a pu vivre et voir dans d'autres cultures sous le nom de rite d'initiation, mais avec le fait que là, il n'y a aucun système symbolique qui y donne du sens et aucune société adulte qui essaie d'y mettre des limites. Ça veut dire qu'effectivement, il y a sans doute là quelque chose. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure le passage de l'enfance à l'adulte et au fait de grandir, qui ne se fait pas sans risque, qui ne se fait pas sans danger. Comment gérer cette question du danger à travers la toxicomanie, à travers ce que vous nous avez lu, docteur, que je trouve extrêmement intéressant, et notamment, je retiens du premier texte que vous avez donné, l'idée que cette jeune adolescente, à un moment donné, a envie d'être entre parenthèses. Elle demande 6 mois de, je ne sais pas comment, de coma, je crois que vous avez prononcé le mot coma, une parenthèse dans ce processus qui est en lui-même une violence. Parce que je crois que grandir, c'est violent. C'est violent peut-être psychologiquement, mais c'est aussi violent socialement. Et je crois que les assignations que les jeunes reçoivent actuellement font partie des violences dont ils sont victimes. Même si d'un autre côté, ils en sont aussi les acteurs. Et peut-être faudrait-il s'interroger sur, entre guillemets, alors pardonnez-moi, je vais encore peut-être être un peu provocant, mais dire que, au moins au sens psychologique du terme, je peux m'expliquer sur la signification que je mets derrière, comprendre, excluer, je crois que vous l'avez très bien dit, madame, toute idée de jugement moral.
Et donc, je rejoins ce que je disais, peut-être qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de savoir qui est coupable ou qui est responsable. Il s'agit simplement de comprendre ce qui, dans une situation, met des individus dans des conditions telles que ce qu'on appelle la violence est le dernier recours de l'humanité de leur rapport. Je crois quand même que la violence est quelque chose qui est humain. Peut-être, et on parle en histoire du temps court, du temps long, l'accélération des processus d'éducation. Quand je parle d'accélération des processus d'éducation, c'est le fait que, dans nos sociétés en tout cas, de plus en plus tôt, il s'agit d'être performant pour être un homme. Ben, est-ce que quelqu'un parmi vous peut imaginer, vous l'avez peut-être vécu, moi aussi, j'ai travaillé longtemps avec des enseignants dans des IUFM ou dans d'autres endroits, la violence que c'est que de ne rien comprendre à ce qui se passe en classe. Que la violence que c'est quand vous avez un enseignant sympathique qui passe son temps à répondre à des questions que vous ne vous posez pas. Mais pourquoi ils s'ennuient les enfants à l'école? Ben parce qu'on répond aux questions qu'ils ne se posent pas, s'ils sont répondus à leurs questions. Et vous savez bien comment que la pédagogie, c'est comment on pourrait faire pour arriver à ce qu'ils posent des questions intéressantes. Sauf que c'est les questions qui intéressent le prof dans sa démarche pédagogique. Plus que ce qui intéresse le gamin qui aimerait savoir quand est-ce qu'on mange ou pourquoi, bon, tout ce qui peut se passer autour. Bon, finalement, ils arrivent à s'entendre, mais ce n'est pas toujours facile. Est-ce que ce que nous vivons et ce que vivent les jeunes actuellement dans ces mutations sociales ne se traduit pas par un certain nombre de violences du monde social à leur endroit? Et j'en prendrai simplement un exemple tout simple. C'est ces jeunes qui nous font peur. Qui nous font peur en tant que parents, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, et que ça nous angoisse quand même un peu. Qui nous font peur quand ils sont 5 ou 6 dans la rue, et qu'on se dit. Mais je vous raconte une autre histoire que j'ai vécue avec un de mes amis psychiatres. On lui avait confié une adolescente qui, bon, était un peu fugueuse. Elle avait même réussi, celle-là, à aller jusqu'en Allemagne, et ça posait des problèmes pour passer la frontière. Bon, on a réussi à la récupérer, elle arrive dans un hôpital. Et cet ami psychiatre me téléphone à 10h du soir, disant, faut que tu viennes la chercher, c'est pas supportable. Et vous avez quand même là un exemple, je trouve, d'une violence extrême, une gamine de 15 ans, qui doit peser à peu près 50 kilos, arrive à ce que tout un service psychiatrique appelle au secours, infirmier psychiatrique, et il n'y avait pas entre guillemets que des gens de 25 kilos, qui disent, on n'en peut plus. Là, il y a bien quelque chose en termes de violence, et j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec ces jeunes filles, je ne dis pas du tout que j'ai compris quoi que ce soit à sa violence, mais ce qui était quand même extrêmement flagrant, c'est qu'elle, elle avait peur de faire peur. Et peut-être qu'en ayant peur de faire peur, elle faisait peur. Est-ce qu'on peut s'interroger actuellement sur le fait que les violences, quelle que soit leur forme, puisqu'encore une fois je dis que je ne suis pas très clair sur ce que c'est que la violence, est-ce que les violences seraient les traces d'un échec qui permettrait de dire à des parents, bon, si vous étiez autrement, quand même, ça se passerait mieux. Au point que certains arrivent parfois chez le magistrat et disent, ah, mais écoutez, monsieur le juge, puisque vous savez tout, eh bien, occupez-vous-en. Nous, on ne peut plus. Et dès qu'on leur met une baffe, on se fait accuser de violence. Alors, il faudrait savoir. Et le magistrat, ben, il fait ce qu'il peut. Mais il renvoie à une question, effectivement, qui est, à mon avis, extrêmement importante, c'est pas la démission parentale. Dans ma carrière de psycho, j'ai pas connu de parents démissionnaires. Mais j'ai connu des parents perdus. Et je me suis souvenu à ce moment-là d'une phrase de quelqu'un qui s'appelle Eric Erickson, qui était un psychiatre canadien, qui disait, mais vous étonnez pas d'avoir des gamins paumés quand vous avez des parents perdus. Or, on se demande bien actuellement comment les parents pourraient ne pas être perdus à travers tout ce qui se passe, le flot des conseils qu'on leur donne, enfin, tout ce qui... Bon. Maintenant, on ne sait plus. Et peut-être une des questions humaines à se poser, mais c'est qu'est-ce qu'actuellement, qu'on soit travailleur social, parent ou autre, on peut dire de manière un peu assurée, qui tienne, en gardant nos doutes pour nous, parce que si, comme on peut le penser, des conflits peuvent être structurants, encore faut-il oser et accepter le conflit. Ce qui est aussi quelque chose d'éminemment difficile. Je me suis aperçu que dans les cours de récréation, c'était souvent beaucoup plus facile de ne pas voir que de voir.
Oui, parce que quand on a vu, ben, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Quoi, on ne sait pas toujours, alors que quand on n'a pas vu. Bon. Je pense aussi, une deuxième chose, pardonnez-moi, je vous réfère un tout petit peu de Jean Piaget, même si ce n'est pas ma base, mais bon, c'est quelqu'un de fréquentable. Hein. Et je reprendrai un peu l'exemple de ce que disait madame, mais sous un autre angle. Je crois qu'une des grandes violences, c'est le fait de vouloir être dans un temps qui tue la durée. Je m'explique. Quand vous avez une question, ben qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la réponse. Mais peut-être que la réponse, elle se construit, elle ne se donne pas. Et que quelque chose à l'école qu'on apprend peut-être des fois un peu difficilement, c'est pas à trouver la bonne réponse, parce que ça, c'est pas bien compliqué, hein, il suffit de copier sur son voisin qui est un peu meilleur que soi et de pas se faire prendre. Et il y a des gamins qui sont très habiles là-dessus, c'est là-dessus qu'on doit les interroger, parce qu'ils sont pleins d'astuces. Mais l'inverse, comment produire une réponse? Vous avez peut-être entendu parler d'un éducateur qui s'appelait Feuerstein en Israël, et qui essayait de faire comprendre aux enfants une chose toute simple. C'est quand on te pose une question, prends une minute pour réfléchir. Or, actuellement, cette minute, elle est pensée comme violence. Je n'ai pas ce à quoi j'ai droit. Moi, j'ai vu un étudiant à l'université sur un livre qui n'est pas si simple que ça à lire. C'est la phénoménologie de l'esprit. Dire au bout de 15 jours, mais j'ai rien compris. Et de lui dire, mais ce que quelqu'un a mis 30 ans à élaborer, que vous ne compreniez pas en 15 jours, ce n'est pas forcément surprenant. C'est même, entre guillemets, plutôt naturel. Le tout, c'est que vous pouvez vous y mettre. Mais est-ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, réfléchir non pas au résultat, vous voyez derrière ce qu'on pourrait dire de l'évaluation, enfin bon, vous voulez, plutôt que de s'intéresser au parcours. Et comment pourra-t-on un jour en pédagogie penser que l'objectif ne peut être que le parcours? L'évaluation, ça c'est la sanction sociale dont à un moment donné, on a sans doute besoin. J'en discuterai pas. Il y a peut-être de manière plus large, et là je crois que la question est grave, une violence sociale qui a été abordée par mes deux prédécesseurs, et qui est celle, au fond, qu'il s'agit maintenant dans une compétition pour avoir une place dans la société, de pouvoir fonctionner sur des valeurs qui sont justement celles de l'évaluation, de l'immédiateté, de la production du résultat. Et la plupart des enfants, on pourra en parler cet après-midi, puisque j'ai vu que j'avais la chance d'être dans un groupe qui parlait de l'école, et que j'ai quand même été assez souvent à l'école pour être moi-même mauvais élève et puis après avoir réussi une carrière qui fait que je ne suis jamais sorti de l'école, donc ce qui prouve bien que j'avais quelques comptes à y régler. À disposition. Ben oui, c'est ça. Bon. Ben, à traiter toujours de cette question, comment peut-on à un moment donné, et ce que je vais dire, je pense que c'est grave, parce que je ne sais pas bien comment l'exprimer, mais faire qu'à un moment donné, on ne puisse plus, dans l'école ou dans l'éducation nationale, employer le verbe « être ». Ça, c'est une violence énorme. Qu'on dise que quelqu'un a des mauvaises notes, bien sûr, c'est évident, mais ce n'est pas pour ça qu'il est mauvais. Il faudrait quand même faire attention, et je pense même derrière ça, quelques rapports ou enquêtes sociales, des fois un peu curieuses. Bah oui, le verbe « être » devrait être interdit. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'affirmer que l'autre est ? Il pourrait dire simplement, ce jour-là, je l'ai vu comme ça, bon, ben voilà, ok. Qui a un problème? Ok. Mais de penser, par exemple, que l'échec scolaire est, entre guillemets, l'échec d'un apprenant, et quand on lui dit en plus, je prends deux exemples de violence, si tu faisais attention, parce que vous avez entendu beaucoup d'enseignants dire, comment on fait pour faire attention? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas de pas faire attention. C'est comment on fait pour faire attention. C'est là où on construit quelque chose. Ou un enseignant qui dit à un enfant, mais je vais vous raconter encore une fois une petite histoire d'école, un jeune prof de maths, plein de bons sentiments, bah, il met des notes. Et puis il y a un élève, je dis, ah, ma foi, il est beau calculer, ça vaut zéro.
Mais ça l'embête parce qu'en plus, cet élève, vous voyez, quand on est mauvais élève, on n'a pas de chance. Parce qu'en plus, c'est un élève qui travaille. Et il travaille pour être mauvais, lui. Donc, le prof dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Eh bien, il lui met 10 points pour la bonne volonté. Et il est tout surpris de voir ce gamin qui s'effondre en larmes, parce que là, le gamin qui n'est pas idiot, mais il a compris qu'on se foutait de sa gueule. Que noter la bonne volonté, c'était effectivement le renforcer dans sa nullité de départ. Bon, ben voilà, il fait ce qu'il peut. Mais comme il ne peut pas grand-chose, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Autre forme de violence. Oui, j'ai 5 minutes. Bon. Mais est-ce que j'ai juste commencé l'introduction, hein? Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais bah, vous me rassurez. Alors. Je reprends l'exemple du fait de raconter des histoires aux enfants. C'est-à-dire de les mettre dans un rapport où le monde petit à petit prend du sens, et parce que ça a été souligné tout à l'heure à la fin de votre exposé, madame, où on peut, dans un autre temps et dans un autre lieu, par une simple phrase, « Il était une fois », passer de la réalité quotidienne au réel pulsionnel. Et je crois que c'est dans ce décalage-là, ce « il était une fois » que des choses se passent. Je suis frappé de voir, encore une fois, dans tous les pays du monde où je suis passé, peut-être notamment en Afrique plus que dans d'autres pays, de l'importance de la parole et de raconter des histoires. Et on les répète après, c'est pour ça que si j'avais un jour un rêve, moi au lieu d'être enseignant, j'aurais dû devenir griot, je me serais senti beaucoup mieux dans cette position, mais en Auvergne, on n'a pas de baobab, alors bon, il a fallu faire autrement. Mais donc pour raconter des histoires, parce que ce sont des histoires qui humanisent, et aussi des histoires qui donnent des formes. Ça ne veut pas dire pour ça, et je rejoins ce que disait madame, qu'on va, entre guillemets, éradiquer la violence. Sûrement pas. Que toute violence n'est pas forcément constructrice, elle peut être destructrice, mais elle peut aussi, à un moment ou à un autre, être, et c'est un peu ce que je voulais dire sous forme de conclusion, acceptée pour être dépassée. Alors je veux bien admettre que c'est un peu paradoxal, mais je voudrais m'en expliquer. Accepter quelque chose, ça veut dire dans un premier temps ne pas en nier l'existence. Accepter quelque chose, ça veut dire pouvoir le prendre en compte sans porter dessus un jugement. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est. Et à partir du moment où c'est, comment peut-on avec faire un certain nombre de choses? Alors là, je vais me permettre en tant qu'enseignant de rêver un tout petit peu, mais je crois que si on rêve pas un peu, on n'atteindra jamais la réalité qu'on souhaite. Moi, je pense que le rôle de l'utopie dans l'éducation, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'utopie pour porter un projet, il risque d'être un peu triste. Le projet devenant, qu'est-ce que tu feras plus tard, risquant de devenir, s'il ne peut pas répondre, diable, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui, hein, c'est les gradations qu'il y a dans les orientations un peu problématiques. Parce que vous avez remarqué que ceux qui réussissent à l'école, bah, on ne se pose jamais la question de ce qu'ils vont devenir. C'est ceux qui ne réussissent pas qui posent des questions. Donc je reviens à ce que je disais. Essayez de comprendre sans juger, c'est pas forcément simple. Et ça, vous me donnez encore 3 minutes? Je vais vous en donner un exemple très concret de comprendre sans juger. Il m'est arrivé d'être à Abidjan, seul endroit de la planète que je connaisse où le boulevard Giscard d'Estaing croise le boulevard François Mitterrand. Vous voyez, il faut aller en Afrique des fois pour voir des choses un peu. Bon, donc il n'y a pas forcément de violence dans les croisements de boulevard. Et là, j'ai vu des femmes qui attendaient. Et je me suis demandé ce qu'elles attendaient. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'elles n'attendaient rien. Et que c'est moi qui comprenais rien. Parce que la catégorie d'attente, perds pas ton temps, c'est de l'argent, ça, c'est nous qui l'avons inventé. On peut vivre avec une toute autre conception du temps. Donc essayons de comprendre sans porter un jugement. Ce qui a une conséquence, pas facile, c'est que ce mode de compréhension, ça nous transforme. Parce que vous avez deux sens du mot comprendre. Comprendre, c'est traduire. Vous prenez un dictionnaire, du psychanalyste, du marxiste, du ce que vous voulez, traduisez dedans, vous avez une hypothèse théorique, et ça donne du sens.
Et des fois, on a un peu de mal à faire rentrer les gens dans ces cases. Ou alors, on est dans une perspective inverse. Mais qu'est-ce que ça m'apprend de moi que la violence de l'autre ? Et pourquoi parfois la violence de l'autre réveille ma propre violence ? Parce qu'il faut aussi s'interroger, je reviens à la phrase de Brecht que j'ai essayé de citer au début, c'est quoi la violence des berges qui en serrent ? C'est quoi la violence des murs de l'école ? C'est quoi la hauteur des fenêtres qui font que généralement les gamins ne voient rien dehors, mais par contre que ceux qui passent là voient à l'intérieur ? Ça, c'est l'école de la Troisième République française. Elle est construite sur ce modèle-là. On n'est pas loin du panoptique de Bentham. Un peu, mais bon. Et peut-être qu'ensuite, on peut peut-être aborder quelque chose qui, pour moi, est ce que j'ai appelé l'outil, non pas de traitement de la violence, mais qui va permettre de vivre avec la violence, c'est un dictionnaire. Parce que je crois que l'essentiel, à un moment donné, c'est de pouvoir mettre des mots qui ont pour fonction d'échanger un certain nombre de choses. Mais mettre des mots, ça veut dire de la distance. Mettre des mots, ça veut dire, est-ce que l'autre comprend un peu ce qui se passe ? Et je vais terminer sur une petite illustration toute simple que je vois régulièrement à la télévision, notamment quand il y a des campagnes électorales, c'est qu'on fait des débats, dont vous avez remarqué sans doute que ces débats sont beaucoup plus des combats que des débats, puisqu'on se pose toujours la question de savoir s'il y a un vainqueur. Je crois qu'à partir du moment où se pose la question du vainqueur, il n'y a plus de débat. C'est un match de boxe, mais à ce moment-là, il faut en trouver des règles qui soient adaptées à ce type de choses. N'oubliez pas quand même qu'au XIIIe siècle, à la Sorbonne, l'art d'enseigner s'appelle l'art agonistique, l'art du combat, de la lutte. Se disputer, comme vous dites. Et de cette dispute, qu'est-ce qui doit, entre guillemets, ressortir ? Eh bien, le fait qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais qu'on avance un peu dans l'ordre de la compréhension. Alors, c'est vrai qu'en disant ça, je suis extrêmement loin du quotidien qui peut être tout ce qui a été décrit. Mais d'un autre côté, je pense que j'en suis pas si loin, et l'exemple que vous avez donné, docteur, me semble extrêmement intéressant, quand, avec des mots, on peut communiquer ou échanger. Parce que, et pour faire un mauvais jeu de mots de conclusion, dans ce qu'on appelle un passage à l'acte, qui est souvent un acte passage, on risque de se servir des coups à la place des mots, plutôt que des mots à la place des coups. Merci. Bon, je n'ai pas du tout parlé de ce que j'avais fait.